Et salut tout le monde, c'est Drakkayne. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle aventure sur... Super Mario Mario. 64 DS. Oui. J'avais envie de le faire depuis un petit moment, mais j'avais pas envie de jouer à la bonne vieille version 64, parce que faut dire ce qui est Mario 64. Classique, c'est injouable. Moi, je fais partie des gens sur lesquels il faut accepter que des fois, un remake peut être utile. Une mise à jour du jeu peut être agréable. C'est ce qu'il est. Très agréable. Très bon à prendre en main, contrairement à la vieille version. Même si elle est très bien, mais ça, c'est mieux. Voilà. Du coup, ne perdons pas plus de temps. Allons-y pour une toute nouvelle aventure. Dear Mario, please come to the castle. I've baked a cake for you. Yours truly, Princess Toadstool. Peach. Ah. Let's go. Oh yeah. Yo, yo. Et en plus, il y a Wario et Luigi et Yoshi. Donc forcément, ce jeu ne peut être que meilleur que l'original. Yoshi! Yoshi! Réveille-toi! Sac à dino! Mario n'est toujours pas revenu! Et en plus, on commence en jouant Yoshi, donc ça ne peut être que parfait. Bon, alors, j'ai le contrôle DS si j'ai besoin avec la souris. Mais au moins, je n'en aurai normalement pas besoin puisque tout est réglé pour que ça fonctionne avec la manette. Alors, rétro, il y a un truc qui est bien, c'est que j'ai quand même réussi à calibrer pour jouer sur le joystick. Je n'utilise pas la croix, j'utilise mon joystick là. Autant dire que c'est plus agréable. Vive l'émulation! Allez, on prend tous les tutos qui vont bien. On a besoin d'une clé pour ouvrir cette porte. Ah, malheureusement, nous n'avons pas la clé. La clé est détenue par un lapin. Ouais, on a vu où il était. Let's go! Et en plus, pour vous dire à quel point j'ai travaillé de ouf pour faire marcher cet émulateur et le faire fonctionner correctement avec mon matos, c'est que pour qu'on puisse avoir un maximum d'aventures sur DS dans le futur, j'ai prévu qu'il fallait, pour tous les jeux qui nécessitent d'alterner les écrans. Attention, je suis paré à toute éventualité. Ne mange pas. Bon, c'est vrai, j'ai acheté un peu tatiné, mais bon, c'est pas une raison pour avaler tout cru. Tant pis, laisse-moi partir. Ah, j'ai vraiment cru que c'était la fin. Ah, en quelques secondes, j'ai revu toute ma vie défiler devant mes yeux. Quand tu parles d'une trouille, bon tiens, voilà la clé. De toute façon, elle fait que me ralentir.
Nous avons récupéré la clé, nous allons pouvoir nous rendre dans le château et retrouver Mario ainsi que tous les autres. Ah, qu'est-ce qu'on fait pas avec un émulateur? C'est quand même beau. Et là, le jeu, l'émulateur, je l'ai boosté au niveau visuel, hein, donc... C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas mis tout en gigantesque et compagnie, parce que sinon, ça serait vraiment dégueulasse. J'hésitais même encore à réduire un peu la taille de l'écran et d'agrandir l'écran secondaire, pour vous dire. Mario! Oui, moi, quand je démarre une voix de Bowser, j'ai toujours Bowser de Sunshine en tête. Je vois toujours le Mario. Du vent, il n'y a personne dans le château. C'est ce qu'on va voir s'il n'y a personne. Bon, de toute façon, on va pas épiloguer 107 ans sur ce jeu. Tout le monde le connaît, tout le monde l'a déjà vu, tout le monde l'a déjà fait. Donc, let's go pour la guerre des bobombes. Wahoo! Oh, en cherchant Mario, tu t'es retrouvé au beau milieu d'un champ de bataille. Mais où est Mario? Parle d'abord au gentil Bobomb Rose en mode standard. Bonjour. Hé, toi là. Oui, toi. Ah, fais attention en te promenant par ici. Tu risques de te faire écrabouiller par une bombe à eau. Ah, notre pays est un vrai champ de bataille depuis que le roi Bobon s'est emparé d'une étoile de puissance. Il y a peu, quelqu'un portant une moustache et une casquette rouge n'a pas écouté nos conseils et il s'est dirigé vers la montagne. Maintenant que j'y pense, il n'est jamais revenu. Ah, je me demande ce qui lui est arrivé. Coucou Spy. Donc avant qu'on me demande est-ce qu'on part pour un 100% ou je n'en ai pas la moindre idée. On va juste jouer au jeu et puis ensuite on verra ce qu'on fera. C'est juste que j'avais envie de faire du Mario mais j'avais pas tout de suite envie de faire du Mario et Luigi encore une fois. Tellement concentré sur ce que je dis et que je fais n'importe quoi qu'au final je vais crever comme une quiche. Olé. Attends, Spy est avec nous? Il n'est pas en... Je suis seul pigeon à avoir acheté 3D All-Star. Non, je l'ai acheté aussi. Et quand je me suis rendu compte qu'ils ont fait uniquement une émulation de Mario 64 normal et pas 64 DS, j'ai décidé de laisser tomber pour ce jeu. Et j'ai uniquement joué à Sunshine et Galaxy. Son Galaxy, meilleur jeu Mario. Vous pouvez pas me faire changer mon état d'esprit. Je suis le roi bonbombe, seigneur à un compte extrait des explosions. Incroyable que tu sois arrivé jusqu'ici sans même avoir une moustache. J'admire ton courage, mais si tu veux l'étoile de puissance, il va falloir me battre. Mes petits bonbons vont te donner une bonne raclée. Maintenant, en garde! Donc, on part quand même du principe que... Mario a perdu face à lui, hein. On en est là, hein. Ah, quoique, je vais peut-être crever aussi, en fait. Ça va, le son est pas trop fort, malgré tout? Là, j'entends... Je vois les stats de la musique, je suis en mode... Je crois que c'est un peu fort. C'est juste. Ah là là. Malheureusement, étonné que... Oui. À part baisser le son du jeu, je vais pas pouvoir faire grand chose de toute façon, donc... Enfin, baisser le son d'émulateur parce que... Ah, les bons vieux jeux sans réglage.
Hop là. J'ai encore plus baissé le son, mais je pourrais pas faire mieux. Après, au bout d'un moment, vous allez plus entendre le jeu. Bonsoir, Flo. Oui, oui. D'abord, je suis perdre pour quelqu'un qui n'a même pas de moustache. Ne dis rien de tout ça à personne et je te donne mon étoile en échange. Si tu veux me revoir, choisis cette étoile dans le menu. À l'époque, suffisait de bouger le cran sur la DS. Oui, bon, c'est pas faux non plus. Ah oui. Allez, nous avons récupéré une étoile. Nous allons pouvoir enfin explorer d'autres pièces du château. Eh oui, oui, oui. Bah écoute, ça va bien. Maintenant que nous avons une étoile, nous avons accès à deux endroits. Premièrement... Oui. Nous avons la forteresse Twomp. Oh. Oui. Deuxièmement... Plus ou moins longtemps que Drac. Voilà. Nous avons la chambre de la princesse, normalement, si je dis pas de bêtises. Il y a des nouveautés par rapport à ce que à ce qu'était le jeu, normalement. Parce que cette salle n'existait pas, si je dis pas de bêtises. Oh non, 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 non. J'ai perdu la clé du meuble secret de la princesse Peach. Oh, va être furieuse contre moi. Yoshi, retrouve les clés pour moi, je t'en prie. Ça restera entre nous. Mais tu peux ouvrir ce meuble avec une clé. Le meuble mène à une salle où la princesse Peach jouait quand elle était enfant. Trouve une clé pour ouvrir cette salle et jouer à de nombreux mini-jeux. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Nous n'allons jamais pouvoir passer... Oh non. Ah, quand même, il y a la musique de Delfino dans ce jeu. Si c'est pas juste le meilleur jeu du monde, je sais pas ce qu'il vous faut. Oula, saloperie de Piaf, reviens là. Voilà. Ça c'est à moi. Ah, faut quand même que je fasse du Mario 64 pour qu'il y ait du monde. Hein. Ah, j'ai arrêté de pomper, c'est trop facile. Oh yeah. Voilà. 5 étoiles égale une étoile. Enfin, 5 étoiles d'argent égale une étoile. Si c'est pas magnifique tout ça. De toute façon, on est là pour jouer tranquillement sur ce jeu. Voilà. J'ai envie de dire, c'est de plus en plus le mot d'ordre de la chaîne. Juste profiter et être avec vous et s'amuser. Nope. Et hop. Wouhou!
double étoile. Oh. Oh merde, il faut que je la refasse. Ah, ça, il l'avait pas changé, tiens. Eh oui, on peut ouvrir encore plus de trucs. Attendez, j'ai pas fini de glisser. Laissez-moi glisser encore un peu. Voilà. C'est comme ça qu'on fait quand on est un professionnel. Oui. On va quand même faire la forteresse au moins une fois. Ah, quoique, je peux peut-être pas faire la forteresse puisque je ne peux pas écraser les ennemis. J'ai pas de... Par contre, ah, il y avait peut-être les casquettes de transformation. Voyons voir combien de temps je peux utiliser Yoshi dans ce jeu. Eh bah dis donc, ça fera une occasion, PF. Bonjour à tous, ici l'Akitu, le reporter choc. Voici un petit conseil. Marchez doucement pour avancer sans un bruit et ainsi surprendre vos ennemis. Vous pouvez également utiliser l'écran tactile pour marcher doucement ou courir. Ah, c'est vrai qu'il avait un système de contrôle en mode... mode clic. J'avais oublié ça. En carnivore, je peux pas les vaincre sans... Enfin, pour Piranha, je peux pas les vaincre sans... Sans Mario, je pense. Ah si, comme ça, on peut. Mais le mec qui redécouvre les mécaniques du jeu parce qu'il l'a tellement pas fait il y a... depuis des années. Poutou, je me casse. Voilà ce qu'on attendait. Hey, c'était la chapie morphose avant l'heure au final. Yoshi morphose. Par contre, je n'arrive pas à faire le saut. Ouais, qu'on puisse pas faire l'attaque rodéo. Bon, on va bien voir. Oh, c'est pas le moment d'embêter.
nous construisons un nouveau château. Et vous, les humains, vous nous marchez dessus en permanence. Mais tu ne vas pas t'essuyer sur les mois. Je sais plus parler, je dis n'importe quoi. Je suis pas plus à dire de la merde. Ah voilà, c'est pour ça. Juste que je savais plus sur quoi je l'avais calibré. Oula. Voilà. Du coup, je rate mon skill. Je rate mes tentatives de skill. On va peut-être arrêter de faire n'importe quoi et jouer correctement. On essaiera d'avoir du skill dans 5 heures. Quoi ? J'ai perdu ! Oh, je ne suis donc qu'un simple paillasson ! De quoi qui marche plus sur DS, Sima ? C'était pas ça que je voulais faire. Ce que je voulais faire, c'était m'accroupir. Et comme j'avais oublié quelle était la touche pour s'accroupir, forcément ça marche pas. Enfin, tu sais, je voulais faire la bonne vieille méthode de glisser entre ses jambes, fais-le. Attends, je vais vérifier. Allez, porte numéro 3. Comme ça, on fait un peu de tout aujourd'hui, c'est bien, ça démarre tranquillement. Oui. Oh Yoshi, regarde donc la caméra. La neige. Je viens pas regarder, c'est quoi? Partir en glissant. Oui, oui, oui. Oui-hi. Oui-hi. Bonne. Et merde. J'ai pas le contrôle du perso. À l'aide. Bon. Je suppose que ce n'était pas ça qu'il fallait faire, c'était pas la bonne. Et toi tu chiales pour ton bébé, ça on sait. C'est laquelle déjà, la première? Grand moment de réalisation de... C'était quoi déjà la première étoile du jeu ici? Justement, c'est ce que j'étais en train de me dire, c'est pour ça que j'allais surmonter. Oui. Oui, 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 oui. Oui. Thank you.
Voilà. Je crois que c'était ça. Eh, 6 déjà, hein. On avance tranquillement, hein. Avec 6, on a accès à quoi normalement? On a rien. Oh, 3! On n'est pas allé par là! Vite! Ouvrons encore plus de ports! Plus que 993 lunes! Et toi, Simar, s'il te plaît! Ne rebâche pas ces souvenirs horribles. Oulala. Où les contrôles sont magiques. J'aime bien Rétro. Je peux confirmer que l'attaque rodéo à travers le tour ne marche pas sur DS. Merci Rétro. Nous avons la joie d'avoir un champion speedrunner qui pourra vérifier chacune des tentatives qui marchent sur la version 64 et pas sur la version DS. Voilà. Ça, on fait. Et ensuite, là, comme ça nous en fait déjà 8. Avec la casquette là-bas. Oui. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de la casquette? Est-ce que quand on est Yoshi, on a vraiment besoin de se sentir Mario pour réussir? Bon, ok, il faut remonter. Bah oui. Oh. Bah s'il faut se sentir Mario, on va se sentir Mario. Hein. Ah, j'espère que vous êtes heureux. Je suis peut-être en train de faire une bêtise.
Voilà, c'était bien ça. C'est bon, j'ai vidé le siphon des chiottes. On peut y aller. Est-ce que, est-ce que Mario peut faire de plus que Yoshi, hein? Je connais, c'est Sea of Thieves. Demain soir, Sea of Thieves, Sima, demain soir. Oui, on peut ouvrir la porte, il y a un chiffre 8. Oh. Donc, en porte avec un chiffre 8. Nous avons donc, dans la chambre de Peach, est-ce qu'il y a quelque chose par là-bas? Ou est-ce que c'est avec une clé? Il y a le bout, ok. Et là, c'est la grande clé, ok. La porte s'ouvre. Et nous avons le tableau Mario en face du balcon. Ça qui était nouveau dans cette version DS. Et Luigi. Plus que Luigi, on a besoin surtout de catastrophe avec son avec sa machine. C'est lui qui fait sortir Mario, hein. Au final. Oh non. Oh non. Merci la pièce de bien me troll. Je ressens quand même une puissance de troll qui est bien présente, dirons-nous. Je ne suis pas un Goomba comme les autres, je suis Goomba, c'est le plus fort des Goombas. Ce minable de Mario continue de nous marcher dessus. Mais la chance a tourné. Il est enfermé dans une pièce, et alors qu'il est, je suis sûr qu'il pleure comme un bébé.
J'ai rien contre toi, alors du balai. Tu n'as aucune chance de me battre. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Il t'a suivi depuis Paper Mario, c'est tellement ça. En même temps, je crois que si je ne dis pas de bêtises... Donc là, forcément si je me rate... Depuis Paper Mario, il n'était pas réapparu justement ce boss. Je crois que depuis Paper Mario, on l'avait pas revu. Hein. Les deux, on l'a revu uniquement ici la première fois. Et après, c'était dans Mario Kart DS. Si je ne m'abuse. Ah, j'ai réussi à faire un strike, mais pas toucher le bon. Je suis solide, moi. Oh, je suis mauvais. Ouais, ça doit être ça. Et après, sinon, les dernières apparitions, c'est uniquement dans les Paper Mario. Je sais que des fois, il fait des caméos, il apparaît un peu dedans, mais... Oh, c'est impossible! J'ai perdu contre une diversion! Comment est-ce arrivé? Les Goombas ne gagneront-ils donc jamais? J'ai enfermé Mario dans une pièce. Prends cette clé et libère-le. Oh, je n'arrive toujours pas à croire que tu m'as battu. Pom, 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 pom. Et une clé avec une casquette. Et un gros logo M. En mode, je me demande à quoi elle peut bien servir. La petite sauvegarde qui va bien. Bon, allez. On va le sortir de là, après tout. Hein. C'est bien pour ça qu'on joue à le jeu, pour jouer avec lui. Tu as sauvé Mario. Il peut maintenant battre Bowser avec la manière. Il peut maintenant battre Bowser avec la manière. Oui, la manière de quoi? Ouais. Et qu'est-ce qu'on trouve sont en haut? T'as besoin pour te changer en Mario contre des plans sinistres Bowser avec des super coups. Voilà. Enfin, on a récupéré le gros plombier moustachu. Ah. Bon, et ben reprenons. Réexplorons encore les premiers mondes jusqu'à ce que nous puissions avancer. À moins que... Il en faut combien là-haut? Ah, il en faut 12. Let's go! Et bah, du coup, une course contre compas rapido! Let's go! Oh mon dieu, il va falloir courir, c'est terrible, c'est affreux! Ah.
Allez. Bon, c'est parti pour la course. En même temps, s'il y avait du challenge, ça se saurait. Oh. 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 Un petit deuxième tour pour être sûr. Même avec deux tours. Oh là là, je te jure. La propagande anti-asthmatique. Ouais, ça c'est pour moi. Oh, voilà qui est fait. Bon, on va essayer de continuer de varier un peu les niveaux, parce que si on fait tous les niveaux, tous les mondes un par un, on va pas vraiment voir des décors variés. On y go. Oui, vas-y, plus vite. S'il vous plaît, je voudrais passer. Merci. Bon, ça va, c'est pas trop compliqué pour le moment. Continuons de profiter de la simplicité. Wouhou. Ensuite, nous avions le niveau de neige. On va garder le même ordre. Le même ordre chiant pour bien faire la même chose tout du long. Les pingouins, c'est parti. De toute façon, celui-là, c'est pas trop compliqué, puisque si je me trompe pas, il s'agit de ce pingouin. Avec les bons bruitages qui vont bien. Thank you.
Par pitié, tais-toi. Merde. Le doux son pour les oreilles. Ok. Voilà, ça c'est fait. Quand les souvenirs parlent, au moins ça prend pas 107 ans. Chocobébou. Non, parce que Chocobébou, il est adorable, lui, au moins. Lui, il est chiant, il passe son temps à crier. Putain de môme. Allez. Eh, ça nous permettra quand même de faire ça. Et aussi le premier niveau de Bowser. Hein. On est quand même plutôt pas mal dans ce premier épisode. En même temps, c'est pas un jeu que j'ai prévu pour la longueur, celui-là. Ah, j'ai pas regardé ce point. L'anguille peut-elle sortir jouer? Ah. C'est bon, je sais ce qu'il faut faire. Oui. Merde, y'a là. Voilà. merde, c'est à moi. Je récupère. Voilà. Voilà. Nous allons enfin pouvoir affronter Bowser une première fois. Oh, lapin. Oh putain, ça va être bien. Ça va être plus simple avec Yoshi, ces lapins, je pense. Mario, chasseur de lapins depuis des années. C'est horrible. Voilà. Fais-moi descendre, espèce de grande brute. Cette clé est à moi. Je vois pas ton nom marqué dessus, mais bon, je te la donnerai si tu me laisses partir. Tiens. Here we go. Oui. Ah, la salle de jeu. Nice. Parfait. Mais nous allons directement nous aventurer dans les confins immenses et dangereux du château afin d'affronter Bowser. Hey, laissez-moi passer. C'est bon, j'ai vu le piège, je peux passer. Oh, c'est nul. On regardera les étoiles rouges pour plus tard. Ah,
ciné, une box, je suppose. Oula. Passer, j'ai un maximum de vie et de HP. Ah, ça c'est des phases de plateforme qu'on aime bien. Des phases de plateforme à peine foireuses dans ce genre de situation. Avec les super contrôles du jeu. Ah merde, je suis redescendu un étage trop bas. Hopi. Oula. Oula. Caméra. Caméra 1. Caméra 2. Quand tu le sais, ça passe large. Hein. On va peut-être la tester celle-là. Ah, vraiment, cette affaire. La Google Cam. Ah ouais. Bon, bah, pourquoi je l'ai testé? Je ne sais pas. Non, mais c'est pas grave, hein. On vous en veut pas. Hein. Mamma mia. Je te sais mort. Voilà. Et bien, et que j'ai compris comment ça marchait dans les deux sens ce truc. Je sais comment glisser, je sais comment grimper un peu. J'ai exactement fait la même. Oui. J'ai fait exactement le même move que tout à l'heure, hein, quand même. Hein. Et tout à l'heure, c'est passé. Oh, je suis mauvais. Sauter hein, du coup hein, si on peut pas juste marcher.
Et au vu de ce qui s'est passé, je propose à cette étoile d'aller se faire voir pour le moment. Non mais là c'est bien la caméra, j'ai parfaitement conscience de l'action qui se produit devant moi. Ouais voilà, regardez, hop, on se barre, comme si de rien n'était. Ah. La princesse est dans un autre château, ah non, un autre endroit du château. Je suis mauvais au jeu idéal. Voilà. Ah. Ah quoi, si tu le fais avec une bombe, c'est directement réussi? Oh tiens, je savais même pas ça. J'ai découvert un truc. Je pensais au moins qu'il fallait le faire deux fois, mais avec une bombe, c'est une seule fois. Ah bah d'accord. Bon bah, let's go. Réussite critique. Donc t'es obligé de le faire avec bombe. Tu lances trois fois dans le vide, c'est pas suffisant. Normalement, je crois que c'est comme ça. Après, je fais de mémoire. Hein. Je fais de mémoire sur ce jeu. C'est celle-là ou pas? C'est pas la bonne. Non, ça veut dire que c'est celle d'en bas. Ok. Le fin fond du château. Lapin! Voilà. Donne-moi ta clé. La clé de quoi, celle-là? Un meuble de la salle de jeu. D'accord, il y en a plusieurs. Ok. Oh putain, la caméra va te faire voir. Voilà. Non mais dis donc. Oh, je vous jure, c'est un scandale. Bon, allez, restons dans cette ambiance tout feu tout flamme. Hop là. Eh bien, on verra un peu de chaque niveau dans ce premier épisode. Faire bouillir le grand voyou. Ah. C'est bon, je vois ce qu'il faut faire. Ah, c'est ouf. Wouhou! 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 C'était mené à la perfection. Une action de professionnel. Ne tentez pas ça chez vous, les enfants. Ah
Je sens que je vais être vachement balèze pour les affronter ceux-là. Avoir un niveau parfaitement respectable. Ça tombe bien, c'est pas du tout un genre de mini-boss qu'on doit affronter. Non, non, non. Toujours un plaisir. Toujours un réel plaisir. Oh, il y en a plein à faire facilement ici. On va peut-être toutes les faire rapidement là, parce que là. Celui-là. Ah, tu vois, c'est une mécanique qui aurait dû être changée sur la version DS pour pouvoir récupérer plusieurs en un monde. Mais non, ils ont pas voulu. Et là, on aurait pu faire 3 d'un coup, tranquillement. Oui, je sais, mais... Là. C'est pas une étoile, le puzzle de... Oui, c'était une étoile, le puzzle de Bowser. Bah du coup, moi, je dis, il faut faire un re-remake de ce jeu et lui faire... Et le... rajouter les mécaniques de Odyssée. Moins ça sera pratique. Hey, oh. Galère vraiment sur ce truc-là. Je galère vraiment sur un mob à la con, hein, quand même. Hein. Mob qu'il faut pousser. Tout va bien. Tout va bien. Rappelez-vous ce que j'ai dit. Professionnalisme, voilà, et etc. etc. Ah, on va récupérer cette étoile, je vais pas être mauvais à ce point-là. J'ai quand même des limites. Ma puissance est inimitable et imbattable. Let's go. Je les connais forcément, hein. Niveau 8. Normalement. Voilà. Et merde. C'est pas du tout ce qui était prévu dans le plan, hein, mais tout va bien. Let's go.
Voilà, ça c'est fait, c'est la mise en place que je voulais faire. J'ai sauté, je vous jure que j'ai sauté. Et maintenant, vous voyez pourquoi je suis pas speedrunner de base ? Voilà. Voilà, c'est... voilà. Ah, ah, ah. Au secours ! À l'aide ! Non, mais là, ça devient un peu répétitif, là, comme échec. Je commence vraiment à le prendre mal. Mais putain. C'est bon, j'ai compris, je vais faire le tour. Hein, voilà, hein, on peut pas s'amuser, hein. Voilà. Pourquoi je saute de la pyramide? Mais parce que ça marche normalement. Ok, alors attends, il m'a déplacé à l'autre bout du monde, donc du coup bah la strat de toute façon elle est cuquée. Heureusement que ça one-shot pas. Voilà, 107 ans, tout ça pour ce niveau à la con. Quand t'es là, toi. Oui, t'as déjà le... Pourquoi t'es là, alors? Tu m'as déjà donné ta clé. Alors, là-bas, on n'a pas d'informations, et là, nous avons une porte en bois. Je sens comme une espèce de moquerie latente, Sima. Oui, tant que le niveau de l'eau est pas baissé, je peux rien faire ici, ok. Je me fais troller par mes propres modos, si c'est pas beau ça. Le glitch du canon. Alors, je ne sais faire aucun glitch sur ce jeu, donc la réponse est non. Là, il faut combien ici? Ah, 30 étoiles. Ok. Et là, c'est... Ah, c'est par là qu'on est arrivé. D'accord, c'est bon à savoir. Bon, moi, je reconnais plus les lieux, hein. Je connais pas le château comme ma poche, hein. Je connais l'observatoire comme ma poche, hein. Mais alors, par contre, le château... On verra.
Le glitch, on verra. Et là, c'est pour aller dans je ne sais plus quel niveau. Allons voir. Natation dans la caverne. Ok. Oh non, c'est ce niveau de ses morts. Un niveau de ses morts, oui. Alors, natation, où est-ce que ça se passe déjà? Oui. Oui. Moi, je fais les bruits d'ascenseur à la perfection. Oui. Ah, j'ai une étoile. Je vois une étoile, capitaine. Et bon, je crois qu'on a trouvé le bon endroit. C'est parfait. Avec la casquette de Wario. Casquette de Wario dont je vais avoir besoin si je me rappelle bien. Oula. Allez, parfait. Voilà, parce que Wario, il met des michtres et des énormes patates de forain. Voilà. Quelle zone peut-on encore découvrir avant d'arrêter ce premier épisode? Non mais je sais. Reviens par là. Au secours, je suis agressé par des fantômes. Barre-toi. Barre-toi. Je les travaille au corps, les fantômes. Enfin, dans ce qu'on peut dire, travailler au corps, bien sûr, dans ce genre de situation. Ah, il est où le 8e? Et qui est le 8e? À qui est-ce que je dois encore péter les dents?
Ah ouais. Eh bien, ils sont dans l'eau, ils sont complètement pas touchables. Donc si je fais ça. Voilà. Ça, c'est pour le plaisir. Voilà. Et maintenant... Let's go! Le safari fantôme! Non mais c'est bien ce genre de niveau, tu sais et tu sens que t'es la bienvenue. Complètement. Bonjour. Je viens pour le ménage. C'est la femme de chambre. Pourrais-tu sortir d'ici vivant? Oui. Oh mais... Mais ouais, ouais. Je sortirai d'ici vivant et avec une étoile. Pour qui donc me prenez-vous? Là, ça va à l'encontre d'une future mécanique, là, ce qui se passe. C'est affreusement gênant, hein. Si les fantômes résistent à la lumière, comment allons-nous faire? Le film d'horreur, c'est bon, je m'en rappelle. Par contre, étant donné que j'ai quasiment pas de PV... C'est pour moi. Et si je dis pas de bêtises. Aïe. Mais c'est bien, c'est qu'on me voit mettre l'action de mettre un hit. Mais ça rentre pas. Ça passe pas. Ça touche pas. J'ai pas le droit. Je vais aller me faire voir. Ouais non mais je pense que c'est ce qu'on va devoir utiliser le tape-cul hein, parce que là niveau efficacité c'est pas présent hein, les coups de poing. Je comprends mieux pourquoi tu touilles plus tard hein. Ça c'est le piano des enfers. Le piano du cauchemar quand t'es gamin. Pourquoi se faire chier? Encore assez. Et plus qu'il faut faire. On va retrouver de toute façon. On est là pour ça. Et bonjour. Je fais qu'explorer les lieux. C'est ravissant chez vous. Et qui est votre décorateur?
Oh bah voilà. Voilà, le roi Boo lui-même va apparaître. D'accord. Tu parles d'un safari, hein. J'aurais une certaine... quelques réclamations à faire, monsieur. Si vous me permettez, je pense que vous pouvez revoir quand même le terme safari. Ce serait agréable. Franchement, visiter trois couloirs, c'est pas ouf. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Eh ben voilà, ça c'est fait. Moi, je pense que là, on est bon pour s'arrêter. On va retourner à l'entrée du château. Comme ça, on reprendra les premiers niveaux la prochaine fois. Hop. Oh ! Et il y a ce niveau à la con qu'on a débloqué. Bah comme ça, ça fera un truc pour démarrer la prochaine fois. Bref, du coup... petit glitch, non pas petit glitch, les glitchs c'est pas mon truc, j'ai pas envie, voilà. Bref, la rediffusion, je vous remercie d'avoir suivi, je vous souhaite à tous une excellente journée, soirée, ce que vous voulez, et je vous dis à très bientôt pour la suite de notre aventure sur Mario 64 DS. C'était Drakkane, ciao tout le monde.